بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 55 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans R l'équation suivante 3 moins 4 sinus carré x qui est égal à 2 cosinus x facteur de 4 sinus carré x moins 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon. Et vous allez résoudre dans R cette équation. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Soit X qui appartient à R, soit X appartenant à R, on a 3 moins 4 sinus carré x est égal à 2 cosinus x facteur de 4 sinus carré x moins 3. Si vous remarquez bien cette expression mathématique, vous pouvez voir facilement qu'il y a un facteur commun ici. Vous avez ici 3 moins 4x moins 4 sinus carré x, ici 4 sinus carré x moins 3. Je m'excuse, ici c'est moins 3. Donc, il suffit tout simplement de déplacer ce terme au premier membre et il y a apparition de ce facteur commun. Donc, je vais écrire, cela signifie que, ou bien équivaut à, 3 moins 4 sinus carré x moins 2 cosinus x facteur de 4 sinus carré x moins 3 est égal à 0. Ceci équivaut à 3 moins 4 sinus au carré x plus 2. Je vais faire entrer moins à l'intérieur des parenthèses. Donc ça donnera 3 moins 4 sinus carré x est égal à 0. Et maintenant, vous voyez le facteur commun. Donc ça donne 3 moins 4 sinus carré x, facteur de 1 plus cosinus de 2x. Ou plutôt 1 plus 2 cosinus x, je m'excuse. 1 plus 2 cosinus x. 3 moins 4 sinus carré x, c'est une identité remarquable, donc c'est racine carrée de 3 moins 2 sinus x. Facteur de racine carrée de 3 plus 2 sinus x. Facteur de 1 plus 2 cosinus x qui est égal à 0. Ceci équivaut à racine carrée de 2 de 3 moins 2 sinus x est égal à 0 ou racine carrée de 3 plus 2 sinus x est égal à 0, ou 1 plus cosinus de 2 de x, de 1 plus 2 fois cosinus x est égal à 0. Ceci équivaut à sinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2, ou sinus x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, ou cosinus x est égal à moins 1 demi. Ceci équivaut à dire que sinus x est égal sinus de pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ou sinus x est égal à moins sinus de pi sur 3 ou bien sinus de moins pi sur 3. Car la fonction sinus est impaire. Ou cosinus x est égal à moins cosinus de pi sur 3, qui est égal à cosinus de pi moins pi sur 3, c'est-à-dire cosinus de 2 pi sur 3 directement. Cosinus de 2 pi sur 3. Et bien maintenant, on va appliquer les propriétés de l'égalité de 2 sinus et de 2 cosinus.
sinus x est égal à sinus pi sur 3, ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 3 plus k de pi. Ou x est égal à pi moins pi sur 3 plus k de pi. Pi moins pi sur 3 plus k de pi. Ça, c'est plus. Ou, pour l'autre, x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi. Moins pi sur 3 plus k de pi. Ou x est égal à pi moins pi sur 3 plus k de pi. Pi moins pi. Donc, ça donne pi plus pi sur 3 plus k de pi. Ou x est égal à 2π sur 3 plus k de pi. Ou x est égal à moins 2π sur 3 plus k de pi. K appartenant à z. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à 2 pi sur 3 plus k de pi. Bon, il y a répétition de cette condition. On va dire qu'on a une fois. Il y a la taouda tena, 2 pi sur 3 plus k de pi, tena, 2 pi sur 3 plus k de pi. Donc je vais l'apprendre une seule fois. Où x est égal moins 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3 plus k de pi. Maintenant, on passe à l'ensemble solution de notre équation de départ. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les éléments pi sur 3 plus k de pi, 2 pi sur 3 plus k de pi, moins pi sur 3 plus k de pi, 4 pi sur 3 plus k de pi, et finalement moins 2 pi sur 3 plus k de pi. Moins pi sur 3 plus k de pi. Tel que k appartenant à z. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse d'études Marrakech. À très bientôt.